Salut les amis, c'est Duany, on se retrouve pour une nouvelle sur Pokémon. Aujourd'hui je vais vous ouvrir le tripack Manaphy de la série Tempête Argentée. Donc un très beau tripack avec la petite illustration de Lugia il me semble ici. Donc vraiment cool avec le petit jeton Pikachu. Donc je les ai eus à Carrefour au prix de 18€. Comme vous savez, au bout de 50€ d'achat, vous avez un bon 10€ à partir du 14 jusqu'au 23. De toute façon j'ai fait une mini vidéo pour expliquer. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui sont en acheter, n'hésitez pas à aller. Donc on se retrouve directement pour l'ouverture, j'espère vraiment avoir du lourd. Je vise les alternatives ou quelques cartes intéressantes à voir les gars dans l'ouverture. Go! Donc les gars, nous revoilà. Donc pour vous montrer la carte promo de plus près, elle est vraiment sympa. Donc on va ouvrir directement. Donc trois petits boosters. Je vais quand même prendre mon temps les gars parce que déjà c'est la nouvelle série, je découvre. Surtout parce que moi en ce moment j'ouvre beaucoup moins de boosters pour ceux qui veulent savoir parce que je, on va dire, c'est de l'achat stratégique, on va dire, c'est plus achat, ouais, je peux le dire comme ça. J'achète beaucoup plus les cartes à l'unité depuis un certain temps. Donc je joue vraiment genre une fois par mois voire moins parce que je préfère acheter des alternatives. Donc là, je vais découvrir, etc. Je vais vraiment avoir du lourd. Donc, je vais essayer la petite carte promo Manaphy, qui est vraiment belle quand même. Hein. Vraiment sympa. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais prendre mon temps. J'espère que vous avez aussi en trouvé. Donc, comme j'ai dit, à Carrefour, je remercie ma mère, qui m'a, ma maman, qui m'a du coup offert les tripacks, en fait, voilà, etc. Elle m'en a offert quelques-uns, j'ai acheté avec mes sous après. Et du coup, moi, quand j'ai un bon de 10€, je retournerai dans 3 jours, du coup le 14, m'acheter un autre tripack au prix de 8€. Donc alors, illustration Lugia qui est vraiment belle, Régis Draco et Régis Lekis. Peut-être j'ai retourné pour un petit booster sous blister comme ça pour l'avoir. Donc on va faire comme ça les gars. Ah oui, du coup oui, il y a le code blanc aussi. Donc oui, les codes blancs. Ok, bon, alors attendez. Ok, donc les gars, petite astuce, il y en a beaucoup qui font pas le trick. Ouais, attendez, faut ouvrir comme ça. Moi je conseille les gars, c'est que moi je vous voyez pas, mais moi je ferme les yeux. Bon, j'ouvre là, je ferme les yeux. Tu fais ça. Tu jettes le code tard pas loin ou tu jettes à côté. Merde, je me suis spoil. Il est blanc. Je me suis spoil, les gars, désolé. Je suis entre le cul, je ne l'ai pas lancé assez loin, il était juste à côté. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu le jettes. Voilà, tu niques la mer. 1, 2, 3, 4. Bah, du coup, on sait que derrière, il n'y a rien à la fin. Voilà, je me suis spoil comme un truc du cul. J'aime pas me spoil, mais là, j'ai pas fait exprès. Ok, Energy Psy. Oh là là, regardez aussi. Déjà, les illustrations sont magnifiques, les gars. Raichu, je mets de côté. Très belle. Voilà, franchement les gars, je suis fan. Je sais pas ce qu'il a fait, mais je suis fan. Donc il y a vraiment des très belles cartes. Il y en a quelques-unes que j'ai, puisque moi j'ai fait la série V-Max Climax. Oh, trop mignon. Ok. Ok, simple reverse. 2. Roussil en river. Donc ok, ça va. Et du coup, derrière, rien du tout. Victini. Donc plutôt cool, les gars. Je mets les cartes qui me semblent plutôt belles de côté. Ok. Petit booster simple, j'espère qu'on aura minimum une petite ultra rare. Après, du coup, il me reste 6 boosters que je vais dans une autre vidéo. Donc, ok, on ouvre comme ça. Tac, tac, tac. Là, je ferme même pas les yeux pour voir si je gère bien. Là, du coup, on fait ça. Là, le code. Ah oui, c'est comme ça que je faisais. On le glisse et on le pose en fait. Voilà, j'avais oublié. En fait, faut pas le jeter. 1, 2, 3. Faut le glisser et le poser. Ok, les gars. Code pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Énergie haut. Oh. Allez, donnez-moi du lourd, les gars. Serena. Oh, je sens pas les petites énergies. Mouais. Balbuton, pâte à modeler. Oh, Tony Grain. Fampi. Puis sympa avec le fond, etc. Oui, messire. Vorastéry. Oh, pas ouf, on va pas se cacher. Derrière, simple reverse. Une rare reverse, si je ne sais pas comment, ou une holo reverse de Armaldo. Ok, plutôt sympa. Et derrière, petite V de Lugia. Oui! Lugia de Mitsuharita, les gars, plutôt cool quand même ça. Donc je pose et je vais sleeve. Ah les gars, j'étais pas sûr que j'avais rien vu. Ah c'est cool ça les gars, on commence avec un petit Lugia. Bah j'aurais préféré bien évidemment l'alternative, on va pas se cacher. Mais on commence plutôt bien. Ah les gars, on commence plutôt bien. On a pas un tripack bredouille, on va pas se cacher parce que ça arrive les gars, les tripacks bredouilles. Donc plutôt cool l'illustration franchement de Lugia, elle est vraiment belle hein. Vraiment hyper sympa. Ok, donc c'est cool, au moins on a un truc. Ok. Voilà, les deux petits Lugia à côté, les gars. Oh là là. Vraiment stylé. Ok. Ce serait bien d'avoir encore un petit truc, je dirais pas non. Ouais, le booster. Oh. Pas que je me fasse pas, je ferme les yeux, là, les gars. Donc, alors, je ferme les yeux. Là, on serre les cartes. On fait glisser. Tac. On le pose. Donc, l'autre code, il était bien noir. Donc, là, maintenant, on le jette. Oui, aussi, je vous ai pas passé le code. Tenez. Truc. Donc 1, 2, 3,
4. Regardez comment ils sont défoncés là. En bas là, ils sont défoncés sa mère. Ce qui serait bien, les gars, dans ce booster, ce serait une petite CHR ou une... Oh, une CSR. Ce serait cool. Oh là, oh, non, ce qui me ferait kiffer, c'est la Black Gold de Rayquaza. Mettons. Oh, Altaria, sympa, je me suis de côté ça. Tout ce qui est illustration sympa, je vais mettre de côté. Fampi. Flamiaou, oh, il a peur là, c'est vraiment c'est sympa, les petites illustrations. Furéglon. Rien du tout. Oh, petit Fionnet, cool. Derrière. Simple Reverse de Furéglon. Et derrière, est-ce qu'on a un truc pas du tout Flambusard en rare, donc code blanc. Voilà, je jette. Bon, les gars, j'espère que cette toute première ouverture pour ma part vous aura plu. J'espère que vous avez du lourd. Moi, en tout cas, petite carte promo déjà plutôt sympathique, qu'on se dise franchement. Et une petite V de Lugia qui est plutôt cool, franchement. Au moins, on ne part pas bredouille. La petite V est vraiment sympa. Donc, la meilleure V de l'extension, je pense. Donc, voilà, les gars, avec OO, bien évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça ferait extrêmement plaisir les gars, c'était Giuliani. Ciao.